Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. À plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons faire petite vidéo pour les fans des succès, bien entendu, concernant Reactor X2 qui est sorti le 1er février. Et donc, les passionnés, les mordus de succès de G-Score vont pouvoir être sereins, se choper 1000G en vraiment très peu de temps. Je vous en parle tout de suite. C'est parti. Et avant de commencer la vidéo, je vous parle d'Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet d'acquérir des jeux à prix préférentiel, mais pas que. En l'occurrence, sachez par exemple que il y a également des offres sur les offres Game Pass. Par exemple, là, le Xbox Game Pass Ultimate 3 mois est à 23,99€. Tout simplement, les amis. Alors, les amis, ce Reactor X2, je vais être tout à fait clair avec vous, il n'a pas pour volonté, ce n'est pas un test, hein, c'est uniquement une vidéo que je fais pour les amis fans et addictifs au succès, au G-Score bien entendu. C'est d'ailleurs l'ami Emmanuel qui m'a dit, hey, tu te rappelles de Reactor X1? Il y a le 2 qui vient de sortir. Donc tu gueules le jeu en 5 minutes. Je lui dis sérieux? Bon bah c'est parti. Hein. Et c'est vrai que le créateur de ce jeu, c'est un petit indépendant, n'a pas pour vocation de faire un jeu qui marquera les esprits. Je pense qu'il a tout compris à l'histoire. Il a fait ce jeu uniquement dans l'intérêt, je pense, de satisfaire les amateurs de succès. Et ce qui fait qu'au final, ça lui fait faire un petit succès sur ce jeu. Hein. C'est assez malin, hein, parce que c'est un jeu qui coûte 4,99€, il n'est pas excessif, hein, bien entendu. Mais c'est vrai qu'au final, dans son concept, il est plutôt sympathique. C'est un petit puzzle game. Pas très compliqué, pas très long non plus, soyons tout à fait honnêtes. Mais je pense qu'il n'a pas prétention à être un shader ou autre. Hein. Voilà, c'est un jeu sympathique, qui se gold facilement. La seule, on va dire, déconvenue que j'ai eue, c'est que le premier, en fait, se goldait avec 5000 points de succès. Oui, vous avez bien entendu, si vous avez vu ma vidéo que j'avais fait, 5000 points de succès. Celui-ci, disons que tu le goldes dans 5 minutes, c'est-à-dire que tu as les succès avant d'avoir fini le jeu. Non, je rigole pas, en 5 minutes, tu as tous les succès qui se débloquent. Par contre, on n'a que 1000. Donc à la fin, je dis merde, j'envoie un message à Emmanuel. Mais merde, il n'a pas 5000. Il me fait non, mais en principe, ça devrait logiquement arriver plus tard en rajoutant des niveaux. Je sais pas si c'est ça, mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu sympathique qui n'est pas très compliqué, qui franchement vous prendra pas plus de 20-25 minutes. Hein, il se termine extrêmement rapidement. Mais voilà, c'est 1000 points à la solde, 1000 points de succès. Voilà tout. Je vous répète, hein, c'est pas un test. Hein, je suis pas en train de dire si le jeu est génial et tout ça. C'est un jeu qui se fait sans déplaisir. En plus, franchement, il est plutôt sympathique. Il se termine rapidement. 1000 points à la clé. Que veut le peuple? Voilà tout. Donc, c'est pas une longue vidéo, mais c'est juste pour vous en parler parce que je suis là pour essayer de vous aider, de vous faire gagner des points de succès et de vous parler un peu de tout. Hein. Il n'y a pas que les triple A dans la vie. Il y a les petits jeux aussi indépendants. Et ce gars-là est quand même assez malin parce que je vous dis, c'est un indépendant qui n'a pas prétention de faire un jeu qui marque les esprits, mais de faire un jeu qui va plaire aux amateurs de succès. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le premier Reactor X avait quand même eu un petit succès grâce à cela. Et il a raison en fait, il a raison. Il a fait la même chose pour ce deuxième épisode. Bravo à lui, en tout cas voilà, Reactor X 1 et 2, hein. Pour 10 balles vous avez les deux, et au final, si vous calculez bien, ça fait 6000 points de succès pour 10 euros dépensés, c'est pas mal du tout. Voilà tout les amis, à la prochaine, likez, partagez, et abonnez-vous bien entendu, ciao ciao!